الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le mois de Ramadan pétille à sa fin. Peut-être nous reste quelques liens de temps encore de ce mois de Ramadan là, ou peut-être nous reste encore un jour, tout dépend de la visibilité de la ligne. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fait nous profiter avec sa tigite les temps qui restaient là. Parce que, comme on nous connaît, nous avons action les bases de la fin. Donc, il y a un pourtant qui nous pas relâche nous-mêmes dans ce dernier moment qui restait là, nous préoccupe nous-mêmes avec Eid, que nous oublions qu'il nous encore dans le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, quand Ramadan peut terminer, est-ce que nous continuons à louer Allah subhanahu wa ta'ala? Ou sont nous bovines parmi ban qui nous t'y adorent Allah seulement à cause c'était le mois de Ramadan? C'est lui qui les adore Ramadan, car Ramadan allait, il n'a aucun doute, les oublier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui adore Allah, il connaît sûr et certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas présent juste dans Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala est présent tous les temps. L'adoration Allah, les bisait continuer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous l'eau du Coran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adore ton Rabb jusqu'à ce que la certitude, l'amour vienne vers toi. Donc, il ne faudrait pas que nous pensions que l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala les limite lui-même juste à certaines occasions, juste à un certain mois spécifique, et ensuite après, n'oubliez Allah subhanahu wa ta'ala. Faut pas nous venir parmi les serviteurs qui sont hypocrites, qui nous connaissent Allah subhanahu wa ta'ala juste un certain temps, après n'oubliez Allah. Pareil comme dans le mois de Ramadan, là nous finissons faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de bonnes actions nous finissons faire, alors même après, nous continuons avec cette bonne action qui nous finissons faire là. Parce que après le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, ben une bonne action qui nous faut faire, nous relâchons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment les poètes après le mois de Ramadan, les pour un signe qui sa rosa qui nous fait garder là, est-ce que Allah fait accepter sa rosa là ou soit nous? Parce que l'objectif de rosa, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre clair dans le Coran, la'allakum tattaqoun. Quand nous pouvons sortir dans ce mois de Ramadan là, bizarre que nous fin acquérir ta croix, vraie la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous trouvons qu'après Ramadan, ben l'ibadat que nous préférons dans le mois de Ramadan fin discontinuer, fin arrêter, alors ça c'est un mauvais signe. Un signe qui tient à manquement de nos rosa, qui nous pas atteindre ça, l'objectif là. Et un parmi ben l'ibadat, un parmi ben l'ibadat qui bizarre continue dans nous la vie, même après le mois de Ramadan, c'est sa ibadat qui nous peut observer là, rosa. C'est rosa. Les malheureux vont nous dire que beaucoup de monde les connaissent rosa juste dans le mois de Ramadan. Les gars de rosa, c'est ce qui est obligatoire dans le mois de Ramadan. Après Ramadan, la prochaine fois qu'ils vont garder rosa, c'est le Ramadan. Tandis que nous devons apprendre plusieurs ben hadiths. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut cause concernant valir sa grande ibadat qui appelle Rosa là. C'est une ibadat qui a beaucoup récompense devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, plusieurs hadiths nous font guetter que de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam d'avoir une action qui est mentionnée, une action qui fait un dimoun qui est paradis, parmi une action qui est là-dedans, c'est God Rosa. God Rosa, ici nous peut référer à Manu Rosa Nafil, pas Manu Rosa. Nous les apprendre, nous pouvons protéger nous-mêmes contre l'enfer. Un jour, Rosa nous garde le chemin Allah. Allah éloigne nos visages de l'enfer pendant 70 années. Rosa, c'est un chemin qui les amène un dimoun vers paradis. Rosa les amène un dimoun vers paradis. Comme ça même, Rosa, les pour intercède pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Rosa pour intercède pour nous auprès d'Allah sur le Qiyama. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, Rosa est pour moi, moi qui vous donne sa récompense. Moi qui vous donne sa récompense, récompense là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne. Donc tout ça là, tout ça dans le hadith là, qui est cause concernant Valia Rosa, Inch'Allah, ça vient une motivation pour nous, qui nous pas arrête sa ibadette qui appelle Rosa là, avec Ramadan, mais même après Ramadan, nous continuons Rosa. Moi qui est là tout de suite après Ramadan, comme on nous connaît, c'est le mois de Shawwal. Dans ce mois-là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait une recommandation pour garder Rosa. 6 jours Rosa dans le mois de Shawwal. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man soma Ramadan, thumma itba'ahu sittam min Shawwal, kana ka siyam al-dahr. » C'est lui qui garde Rosa Ramadan. Ensuite, les suivent sa Rosa Ramadan-là, « Thumma itba'ahu » Prenons-vous, les réfère à Rosa Ramadan. Les gars de Rosa Ramadan, thumma etba'ahu. Ensuite, les suivent sa Rosa Ramadan là pour 6 Rosa de Shawwal, kana ka siyam al-dahr. Les gars récompensent comme si les fins de Rosa pendant une banane. Get Allah subhanahu wa ta'ala soufavia, kuma les sans limite. Get Allah subhanahu wa ta'ala kuma les récompense nous. Get Allah subhanahu wa ta'ala sur l'amour pour nous. À travers 35 ou soit 36 rosas qui nous gardent, Allah subhanahu wa ta'ala récompense-nous comme si nous faisons garder rosa pendant un an. Comment est-ce que 35 ou soit 36 rosas, l'équivalent à un an rosa? Alors, ce savant fait expliquer ça. Un autre hadith, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire « Man sama sitta ayyam ba'd al-fitr kana tamam as-sana » C'est lui qui garde 6 rosa après Eid, kana tamam as-sana, les gars récompensent un an, comme si les fins gardent rosa pendant un an. Et ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin récite cette ayat là, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, c'est lui qui les vint avec un hasana, falahu ashru amthaliha, les gars récompensent 10 pareils. فَشَهْرُ رَمَضَانِ يَعْدِلُ عَشْرَةُ أَشْهُرُ Donc, mon savant de dire que le mois de Ramadan, l'équivalent à une action qui nous fait, nous gagne récompense 10, le mois de Ramadan, un mois rosa qui nous fait garder dans le mois de Ramadan, l'équivalent comme si nous fait garder rosa pendant 10 mois. وَهَذِهِ الْأَيَّامَ السِّتَّ مِنْ شَوَّالِ تَعْدِلُ شَهْرَيْنِ Et ça, 6 rosa qui est dans le mois de Shawwal qui est recommandé pour nous garder là, l'équivalent à 2 mois. De sa façon là, ça 35 ou soit 36 rosa qui nous fait garder là, l'équivalent à 1 an rosa. Et Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, il dit dans l'explication de ce hadith là, Anna as-siyam Shawwal wa Sha'ban ka salat as-sunan ar-rawatib. Il dit que sa rosa Shawwal et rosa Sha'ban qui est recommandé pour nous garder, comme on nous connaît, Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fait garder rosa aussi avant Ramadan rentré. Avant Ramadan rentré, le mois de Sha'ban, Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fait garder rosa. Donc les recommandés pour nous garder rosa avant Ramadan et après Ramadan. Dans le mois de Sha'ban et dans le mois de Shawwal. Imam Ibn Rajab les dit Anna siyam Shawwal wa Sha'ban ka salat as-sunan ar-rawatib. قبل الصلاة المفروضة أو بعدها. لذلك سبحان الروزة كي recommandé pour nous garder avant et après Ramadan là les pareils comme ban pareil ban namaz faraz ban sunna qui est là avant ou soit après ban namaz faraz comme nous connaît il y a 12 rakat sunna rawatib qui nous les apprend qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour nous faire ces 12 rakat là qui accompagne ban namaz faraz avant ou soit après. Imam Ibn Rajab le dit que sa manorosa nafil qui recommandait pour nous garder dans le mois de Sha'ban et le mois de Shawwal, les pareils comme sa ban namaz nafil qui accompagne ban namaz faraz. C'est-à-dire sa manorosa nafil là, lui accompagne sa rosa faraz obligatoire qui nous peut garder là. Il dit فَيَكْمِلُ بِذَلِكَ مَا حَصَلَ فِي الْفَرْدِ مِنْ خَلَلْ أَوْ نَقْصِ Les dire que sa bande rosa qui est recommandée pour nous garder dans Sha'ban et dans Shawwal, les complète
ban manquement qui fin capable ina dans nos rosa Ramadan. Pareil comme ça ban un namaz qui nous fait ban namaz qui nous fait avant ou soit après ban namaz farazda ça ban sunna là. Pareil comme ça ban namaz là si un ban manquement dans un faraz pour être comblé par ça ban sunna là comme ça même les dire fa imna al faraid tukamilu bin nawafil yawm al qiyama. Imam Ibn Rajab li dit fa imna al faraid ban faraz li pou complete ban manquement qui ina da ban li pou complete ban manquement qui ina dans ban faraz jour qiyama. Fa imna al faraid tukamilu bin nawafil. Donc da ban faraz c'est na kit manquement pe na aucun doute personne parmi nous n'est pas capable de dire que tout namaz qui nous fait aller à la perfection. Qui tout rosa qui nous fait garder avec perfection, pas fin n'a aucun manquement là-dedans. Peut-être qu'il y en a un manquement qui fin glisser. Peut-être qu'il y en a un manquement qui fin ina dans nos namaz, dans nos rosa, dans nos ibadat faraz qui nous fait. Donc, qui chose qui vous comble ça un manquement, c'est dans nos faraz là, c'est ban nawafil. Jour qiyama, ban nawafil qui vous comble ça un manquement là. Wa qala ayda علامة على قبول صوم رمضان فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده. لذا أن لوت لافونتاز كي نغني كان نغاد ساسيس روزا شوال علامة على قبول صوم رمضان سي انجمون لي فين غاد ساسيس روزا شوال سي تنسي كي الله سبحانه وتعالى فين اكسبتي سو روزا رمضان بس كي الله سبحانه وتعالى quand Allah fin accepté, quand Allah fin accepté ibadat et serviteur, alors Allah lui donne sa jimoula tawfiq. Quand un jimoula fin fait une bonne action, Allah fin accepté sa bonne action là, Allah donne sa jimoula tawfiq pour sa jimoula lui continue faire ben les autres bonnes actions encore après. فمن عمل حسنة ثم اتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى. فمن عمل حسنة celui qui fait une bonne action ثم اتبعها بحسنة les suivre sa bonne action là par une autre bonne action après كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى ça c'est un signe que Allah fait accepter sa première bonne action là un signe que Allah subhanahu wa ta'ala fait accepter sa première bonne action là. Donc, si un démon l'a trouvé, qui après Ramadan, il peut continuer à faire une bonne action, il peut continuer à garder une rose en affil, il peut continuer à faire sa lecture Coran, pareil comme je peux faire dans le mois de Ramadan, il peut continuer à donner ce sadaqa, pareil comme je peux donner dans le mois de Ramadan, c'est un bon signe. C'est un bon signe que Allah subhanahu wa ta'ala a fait accepter nous ban ibadat qui nous fait faire dans le mois de Ramadan. Allah fin accepté nous ban ibadat qui nous fait faire dans le mois de Ramadan. كما ان من عمل حسنة ثم اتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها. Comme ça même un démon qui les fin suivre une bonne action pas une mauvaise action. Après Ramadan la vie fin changée. Après Ramadan, la vie finit sans effet, il retourne avec ma désobéissance. Kana dhalika alama, ça c'est ainsi, rad al-hasana, qui Allah fin rejette sa man bon action qui nous fin fait là. Wa adam qubuliha, donc Allah pas accepté sa man bon action là. Allah pas fin accepté sa man bon action là. Donc après Ramadan, nous vous connaissons, nous vous connaissons ainsi. Est-ce qu'il y a une ibadat qui m'a fin fait, un zéfo qui m'a fin fait, un sacrifice qui m'a fin fait? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté cette action-là? Tout vous dépend de nous après Ramadan. Comment nous pouvons vivre après Ramadan? Qui nous relations étaient avec Allah subhanahu wa ta'ala après Ramadan? Concernant sa rosa-là, quelques informations concernant sa 6 rosa Shawwal-là. Premièrement, nous sommes capables de garder n'importe quand dans le mois de Shawwal. رسول صلى الله عليه وسلم في النهاية ثم أتبعه ستة من شوال. أقصد لي قال سيس روز شوال وملية شوال لا فهم ولا لبانزيا. donc لو ساكت سوزا هنا facilité لون هنا facilité عندي من يبي قال لي au début même du mois شوال لي قال لي يبي قال لي au milieu
il y a envie de la fin, les garder. Donc, peine aucun. Peine aucun prêchon loin du monde pour qui, donc obligatoirement, qu'il est obligé, comme Ramadan finit terminé de suite, les gars s'assissent sur Rosala. Mais seulement, ce qui plie meilleur, ce qui est du monde, les gars s'arrosent là plus vite que possible. Les gars les plus vite possible, ça plie bon pour lui. Parce qu'il est recommandé pour nous précipiter, pour nous faire une bonne action. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre du Coran, fastabiqul khayrat. Nous ne connaissons pas n'importe quand la mort vient de nous. Nous regardons sa rose là pour la fin de Shawwal. Peut-être nous n'avons pas fini de quitter sa dunya là, nous n'allons. Nous regardons sa rose là pour humilier Shawwal. Peut-être nous n'avons pas fini de quitter sa dunya là, nous n'allons. Donc, une bonne action tous les temps. Nous prenons ça l'habitude là. Nous précipiter, nous faire une bonne action. Pas dire après. Ça, c'est l'esprit satanique. Une inspiration satanique. Il y a un mois pour te garder. Après. Jusqu'à finalement, qui est dans le monde, donc finalement, il n'y a pas de sa rose là. Il vient repousser sa rose là, repousser, jusqu'à finalement, donc, il n'y a pas de sa rose là. Donc, plus bon, plus meilleur, malgré qu'il est bien ici pour un du monde. Les gardes, les meilleurs, pour quand dans ce mois là, c'est que plus bon, plus meilleur, nous gardons les, donc, plus vite possible, après le mois de Ramadan, dans le mois de Shawwal. Et aussi, une autre chose encore, c'est que pas nécessairement qu'il nous garde sa rose là à suivre. Ça, c'est ce rose là, pas nécessairement qu'il y ait un du monde qui garde lui à suivre. Pas nécessairement qu'il garde lui à suivre, il est capable un jour de garder, après des trois jours de regarder, donc pas nécessaire qu'il nous garde lui à suivre. Et aussi, il est bon qu'il nous fait ressortir pour un du monde qui fait une rose Ramadan qui est fait marquer. Il y a du monde qui rose Ramadan qui est fait marquer. Mais il n'est pas fini termine le mois de Ramadan sur Rosa. Les bizarres finissent premièrement, les remplacent par le Rosa Ramadan avant. Parce que le Hadith dit Man soma Ramadan, thumma atba'u. C'est lui qui finit garde le Rosa Ramadan. Quand il dit c'est lui qui finit garde le Rosa Ramadan, il veut dire il finit garde 29 ou 30 le Rosa Ramadan, thumma atba'u. Les suivre sa Rosa Ramadan complète là, passer sur Rosa dans le mois de Shawwal. Les gars, ça récompense là, comme si les fins gardent Rosa pendant un an. Qui les recommandait pour nous garder de Shawwal, ça c'est ce Rosa là. Nous appelons ça ben Rosa Tatawur. Mais dire un dimon, c'est ben Rosa Nafil. Un dimon, les gars, ils doivent les casser Rosa là. Si arrivé, fin arrive, ben quitte chose. Ou soit fin arrive une situation. Quand ça dimon là, les plus envie casser Rosa là, les gars, ils doivent. Et ensuite, les gars, ils le jour. Mais seulement soit au Muqadwa veut dire Rosa qui est un dimon qui peut remplacer. Pour Rosa Ramadan qui est finement ok, qui peut remplacer, sa Rosa là n'est pas cassé. Sa Rosa là n'est pas gagné droit cassé, excepté avec une raison chère. Et aussi, une dernière chose, c'est concernant un dimon qui n'est pas gagné droit, les gardes, par exemple, les dire, je vais remplacer Rosa Ramadan et en même temps, je vais faire niyet, ça c'est sur Rosa Shawwal. Ça, il n'est pas gagné droit. Parce que Rosa qui nous peut remplacer dans le mois de Ramadan, qui nous fait rater, donc, il y en a sa Rosa là avec ce niyet, quand finir en place sa Rosa là, ensuite qui nous garde, ça c'est sur Rosa Shawwal. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq pour nous garder, ça c'est sur Rosa là. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous fin garder même, nous fin garder même, peut-être 29 ou 30 rosa nous pour garder, un petit effort, un petit sacrifice encore, nous gardons ça 6 rosa là, et nous gagnons sa grande récompense là, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et comme fin annoncé, c'était nos dernières sessions concernant ce sujet là, bonne action simple, qui a une grande valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça, ces efforts-là de nous pas. C'est lui qui peut causer, c'est lui qui peut écouter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, vienne de nous compte. Bon, actions au qiyama, nous trouve ça, quitte chose-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette sincérité là-dedans. Nous finissons faire ça juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala tout seul plaisir. Donc, nous passons pour gagner l'honneur, pour gagner titre avec du monde à travers une bonne action qu'il nous fait. Qui c'est lui qui peut apprendre la connaissance? Qui c'est lui qui peut partager la connaissance, sa action-là, il existe pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et puis, les deux buts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue, augmente notre connaissance, et aussi, nous dire même parole qui nous fait dire, commencement, sa session-là, premier session qui nous fait faire, sa bonne action-là, les capables simples.
nous venons apprendre à peu près là aux 40 actions. Ces 20 actions-là, nous redirions encore les capables simples. Les capables coûtent nous quelques secondes, quelques minutes, quelques temps pour nous mettre en pratique. Mais seulement pour nous capables, gagner motivation, pour nous mettre ces 20 actions-là en pratique, faudrait que nous comprenions valer l'importance bon action de nous la vie. Nous devons comprendre, réaliser que moi, en tant qu'un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala a fait créer moi, pas de créer moi pour rien. Allah pas de créer moi sans aucune raison. Mais l'eau salatée est là en tant qu'un musulman avec un objectif précis pour faire Allah son ibadet. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour adorer Allah, nous devons faire une action. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous faire une action. Donc, il est important pour nous mettre une bonne action dans la vie. Ça même qui pour rester avec nous dans nos kabar. Bonne action, bon et mauvais, ça même qui pour rester avec nous dans nos kabar, et bon là qui vous profite nous. Et Inch'Allah, ça même une bonne action qui pour amener nous vers le paradis. Donc, l'islam, c'est un dîn qui est facile. Islam, un dîn facile. Nous faisons trouver Allah subhanahu wa ta'ala sa générosité. Nous faisons trouver comment Allah subhanahu wa ta'ala les compte sur nos serviteurs. Comment Allah les karim, comment Allah les généreux. Comment à travers une petite action, qui peut-être nous sous-estimons cette action-là, mais devant le Allah subhanahu wa ta'ala, cette action-là est capable d'une grande valeur. Peut-être sa même action qui peut amener nous vers le paradis. Donc, il ne faudrait pas nous sous-estimer aucune bonne action. Même qui quantité de petits était, et dans l'espoir, l'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, incha'Allah, à travers cette action-là, Allah pour donner moi une grande récompense. Incha'Allah, à travers cette action-là, peut-être Allah pour pardonner moi mon péché. Et peut-être qu'Incha'Allah, à travers cette action-là, ça pour amener moi vers le paradis. Et aussi, comment nous dire, quand nous dépensons, nous les temps, le salat est là pour nous faire une bonne action, nous ne pouvons pas gaspiller ni les temps, ni l'énergie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait une promesse. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Celui qui fait une bonne action, monsieur ou soit madame, elle est un croyant, فلنحيينه حياة طيبة. Nous pouvons faire vivre une vie paisible. Nous pouvons faire vivre une vie paisible. Nous pouvons gagner nos risques. Les temps, pas pour gaspiller l'énergie. Donc nous avons les temps libres qui nous est notre frère et soeur. D'abord, qui nous finissent, avant les temps libres, avant quelque chose inutile. De la place qui nous servit, ça va l'étant libre là, devant quelque chose inutile. Alors, mettre ça l'étant libre là, devant une bonne action. Comment nous finissons? Il y a plusieurs bonnes actions qui sont simples. Dans quelques minutes, on a 10-15 minutes libres devant moi. Alors, il y a une variété d'ibadettes qui nous capable de faire. Nous capable de lire le Coran. Nous capable de faire avec Allah. Que de ça l'étant là, nous gagnerons une grande récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Tout nous donne un effort qui nous peut faire pour ce dîne, qui c'est lui qui peut partager la connaissance, c'est lui qui peut apprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tous nos efforts qui nous peut faire, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense nous par plus meilleure récompense qu'il y a. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous jannatul firdaus. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.